aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Mon premier vlog tout simplement sur ma chaîne. Donc le vlog va être à Verdun, on va passer la journée à Verdun. Je vous emmène avec moi, vous verrez bien, je vous ferai des petites photos, des petites vidéos, je vous ferai un petit montage sympa. J'espère que ça vous plaira, en tout cas moi je vous souhaite bonne vidéo. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on va passer la journée à Verdun, on va aller visiter les forts, tout ça. Donc je suis dehors, regardez. On promène Nismo. Voilà, on est dehors, on attend ma mamie, donc c'est ma mamie qui nous emmènera aujourd'hui. On sera tous les deux. J'espère qu'en tout cas, ça vous fera plaisir. C'est mon premier vlog à Verdun, j'espère que le montage sera bien. Voilà, je n'ai pas fait encore beaucoup de montage comme ça, mais bon, j'espère que ça vous plaira quand même. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo, je vous dis bonne vidéo. Ciao tout le monde. Donc là, on attend ma mamie, je suis rentrée de promener Nismo. On attend ma mamie et on est direction Verdun. Elle est partie mettre de l'essence parce que si on n'a pas d'essence, hein, on peut pas aller très loin. Vous vous en doutez. Donc franchement, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Bon, allez, moi je vous dis, dans la voiture et direction Verdun. Voilà, on est arrivé. Bonjour. Bonjour. Donc on est arrivé. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Ici, Casemat. Panard. Montre. Voilà. Donc ça c'est un... Qu'est-ce qui se servait ici? C'était plutôt pour... Bah, il faut lire, hein. On va lire alors. Français. La puissance des fonds. Mitrailleuses. Voilà. Furent construites et implantées en pleine guerre à partir de 1917. Pour renforcer la puissance du feu, d'un feu, d'un certain nombre de forts et assurer leur défense rapprochée. Donc vous voyez, c'est le truc là-bas. On va aller vous montrer ça. Regardez, c'est vraiment... Donc on vient d'arriver, là on a été d'abord sur un monument qui était un beau monument. Donc on a été voir un monument pour le souvenir français, c'était la résistance, c'est ça, les 16 résistants, oui, face aux Allemands. C'était un petit monument isolé, on l'a vu au dernier moment. Donc là vous pouvez voir qu'on est vraiment isolé. Franchement, il n'y a personne. On n'est que tous les deux. On n'est que tous les deux. Par contre, t'aurais dû mettre des chaussures. Ouais, j'aurais dû mettre des bottes. Moi j'ai mis des gros chaussures, mais ma mamie elle a mis autre chose. Elle a mis des talons. Donc on va aller monter dessus. Casemate Panard. Je reprends juste après. On est en train de monter sur la casemate. Sur la casemate. Donc c'est là qu'ils mettaient les... Voilà. C'est là qu'ils mettaient les mitraillettes. À l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur, c'est donc un fort. Donc je vais vous... Ouais, donc c'est dans un petit fort. Regardez. Mais on va juste... Hop, pas faire tomber la caméra. Voilà, donc les mitraillettes, elles sortaient par là. Donc voilà, donc là on est à l'intérieur. Et là, ils mettaient les mitraillettes et ils attendaient que là-bas, ils arrivent. Et ils attendaient ici, tout simplement. Donc voilà ce que c'est de l'extérieur. Donc ça ressemble à ça. Donc vous reconnaissez bien l'image qu'il y avait sur le panneau là-bas, que vous retrouvez ici, qui a été rénové, tout simplement. Je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. Je vais essayer de ne pas glisser parce que ça glisse. Voilà, et là ils mettaient tout. Voilà, donc là il y a encore le support d'armes. Donc c'est vraiment magnifique. Voilà, et là on est vraiment dans la forêt. Donc voilà, je vous montre un peu tout le truc de Verdun. Donc là, nous, on est ici. On est ici, là, fort de Souville. On va aller à quoi après? On va aller au mémorial de Verdun? Montre aux gens où on va aller après. Ah, oui, oui. Donc là, maintenant, bah oui, on est ici. Donc on va continuer, on va aller au mémorial. Donc là, on va aller tout là. Donc c'est là-bas, normalement. C'est là-bas, normalement. Si je dis pas de conneries. Bah oui. Bon, bah on s'y retrouve. Voilà. Donc là, on est arrivé au mémorial de Verdun, qui est tout neuf. Attendez, je vais me pousser. Voilà. Oh, bien. Voilà, qui est là. On veut... Je ne sais pas, par contre, si on peut filmer. Je le verrai bien. Sinon, j'essaierai de vous mettre des petites photos. J'essaierai de mettre des petites photos. Voilà. Voilà, on est sorti du musée. Qu'est-ce que tu en as pensé? Très bien. Très bien. Très belles explications. Bon, un peu cher, mais bon, ça va le coup. Ça va, oh. Un peu... Combien? 7 euros et moi? C'est toi, c'était... Bah, en tout, on en a eu pour 18 euros. Oui, donc ça devait être... Donc,
J'ai pas pu vous prendre de photos ni de vidéos car c'était interdit simplement, mais il y avait des gens qui prenaient des photos alors que c'est interdit. Alors que c'est interdit. Parce que apparemment ça peut abîmer les... Bien sûr, oui. Ça abîme les... J'avais entendu... Les photos, les... Ça abîme tout. Donc voilà. Bon, on va visiter le prochain truc. Comme ça, t'as le nom. Donc là, on arrive à la tranchée des baïonnettes. On va vous montrer vite fait, ça c'est l'entrée. Voilà. On y est. Enfin, c'est le truc, à mon avis, le plus important, je dirais. Ouais. Donc on va y aller. C'est parti. Donc là, on... Ça s'appelle la tranchée des baïonnettes. Donc là, on arrive. On va rentrer dedans. Enfin, on est déjà dedans. Mais on va rentrer un peu plus loin. On va aller voir les squelettes. Donc là, on est arrivé au squelette. Voilà. On est là. C'est silence total. Donc là, vous pouvez voir qu'on est en plein dans la forêt. Il n'y a vraiment rien autour. Et c'est le silence absolu. Et là, on va aller dans le petit chemin là-bas. On va voir s'il y a... On va à droite là où le monsieur il est allé. Attends, attends-moi là. Je vais juste faire un petit tour. Tu m'attends là? En exploration. Je vais juste voir. On va aller voir un peu en exploration. Tu m'attends là? Je vous emmène avec moi. Oh. Oh. Attention la caméra. J'ai pas envie de la casser. Heureusement que j'ai mis des chaussures pour faire le vélo. Hop. Je marche dans la gadoue. Oh, on dirait que je suis un soldat. On dirait que je suis un vrai soldat. Il y avait des petites tranchées là-bas. Il y avait des petites tranchées. Des petites tranchées. Donc là maintenant on va aller à l'ossuaire de Daumont. Voilà, on va aller voir. Vous allez voir toutes les tombes, c'est vraiment impressionnant. Donc là vous pouvez voir qu'on est en plein dans la forêt. Il n'y a vraiment rien autour et c'est le silence absolu. Et là on va aller dans le petit chemin là-bas. On va voir s'il y a... On va à droite là où le monsieur il est allé. Attends, attends-moi là. Je vais juste faire un petit tour. Tu m'attends là? En exploration. Je vais juste voir. On va aller voir un peu en exploration. Tu m'attends là? Je vous emmène avec moi. Oh. Oh. Attention la caméra. J'ai pas envie de la casser. Heureusement que j'ai mis des chaussures pour faire le vélo. Hop. Je marche dans la gadoue. Oh, on dirait que je suis un soldat. On dirait que je suis un vrai soldat. Il y avait des petites tranchées là-bas. Il y avait des petites tranchées. Des petites tranchées. Donc là maintenant on va aller à l'ossuaire de Daumont. Voilà, on va aller voir. Vous allez voir toutes les tombes, c'est vraiment impressionnant. Donc là, je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà, en gros, ça donne ça. Et là, c'est l'entrée là-bas d'où on est venu. Et moi, je fais mon petit œil et je monte là-dessus. Je suis vraiment un vrai pissou. Mais vraiment, je suis le seul à faire ça. Il n'y a personne. Regardez, je suis tout seul. Je suis tout seul à le faire. Partout encore, voilà, mais bon. Donc là, on va au mémorial de Daumont voir toutes les tombes, voilà. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. J'aurais pu demander à l'autre à la gueule. Donc vous voyez, là, c'est ça. On monte dans la tour ou pas? Non, dans la tour, c'est là qu'elle a dit faut payer. On va pas aller dans la tour. Oh, j'aimerais bien aller en haut. Donc voilà, c'est ça. Ça ressemble à ça. Voilà, depuis près, on est arrivé. Et là, moi, je vais monter tout en haut là-bas. Voilà, vous allez voir, je vais avoir une... Ouais, donc là, on se retrouve. On est en train de monter dans la tour. C'est vraiment... Super beau, on respire doucement et on monte. Et on monte. Donc là, on va prendre soit à droite ou à gauche. Et on va prendre à droite.
c'est la tête. Et là, c'est là-bas. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas à quoi ressemble un obus. Donc, où est-ce qu'on monte? Ah, c'est là. Là, regardez. Vous avez tout. Tout. Vous avez tout. C'est joli. Donc là, vous avez toutes les... tout ce qui servait. Là, vous avez une grenade là-bas. Et là, vous avez des baïonnettes, fusils. Voilà, c'est vraiment impressionnant, franchement. Tout ça était bien sûr. Tout ça, bien sûr, c'est vrai. Hein, c'est pas du refus ou tout ça. C'est haut. Là, je suis déjà très très haut. Mais vous allez voir qu'on va être en haut. J'espère qu'on peut aller dehors. Et il n'y a personne. Hein, juste. Et puis en plus, je tenais la caméra là-bas. Oh, elle a fait mal. Ah, j'en peux plus. N'est-ce pas? Ah non, vous avez trop de reflets, on voit pas. Vous avez envie de faire une petite pause? Eh ben non. Ça, c'est pire que faire du vélo dans les bois. Faire une montée au Saint-Quentin. Au moins, vous méritez votre manger après, parce qu'après on va aller bien manger. Ah putain, on va plus. J'essaie de vous tenir là, comme ça. Là, j'aurais dû prendre ma perche. Oh, je sais pas où est-ce que je monte, mais on est vraiment très très haut. Là, je vous embarque. Là, je vais arriver en haut. Vous entendez le bruit? Voilà, on est en haut. Vous entendez? On monte. Regardez. C'est magnifique. Le clocher. On est en haut. Là, vous avez les lumières pour les avions qui passent aux alentours. Et je vais vous montrer la vue. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1... Voilà. Est-ce que... Ah, j'ai vu. Merde, ils sont bloqués. Oh putain. Donc voilà, là vous avez tous les morts de la guerre de Verdun. Donc là vous avez le grand jardin. Vous avez tout. Voilà. Il y a quatre rangées. Et sur un carré, je crois qu'il y a plus de... Je crois qu'il y a plus de 4... Il y a plus de 2000 morts, un truc comme ça. Juste sur un carré. Donc il y en a des tonnes et des tonnes, c'est vraiment un truc de fou. Alors que je vois s'il y a ma mamie en bas, c'est chiant que c'est fermé parce que sinon je... Donc là, je vais monter. Donc là, vous avez le clocher en face de vous. Donc ça doit peser une tonne. Voilà, et là on est vraiment au maximum du clocher. Donc là, vous avez... tout ce qui était tranché là-bas, attends, je sais pas si vous allez voir, voilà. Là-bas, vous avez toutes les tranchées qu'il y avait avant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir ici aussi. Donc désolé, il pleuviote un peu, j'adore, c'est un temps de Verdun. Regardez tout l'espace. Un jour, ça, c'était tout rempli. Mais je vous mens pas, c'était vraiment un truc de fou. Là, vous avez une petite sonnette, on va appuyer dessus, et non, je regarde. Et là, bah voilà, vous avez le reste. Et puis après, vous avez toutes les tranchées de Verdun, tout ça. Donc voilà, j'espère que la présentation du mémorial de Verdun vous aura plu. On va redescendre ensemble. C'est parti. Donc là, on descend. Oh la vache, c'est vraiment serré. Putain, c'est vraiment super serré et j'ai pas beaucoup de lumière. Waouh. Hey, il faut pas être un peu là, parce que sinon, on passait pas. Il y a quoi là? Oh, j'avais pas mieux là. J'étais pas venue. Donc on va descendre. Désolée si vous voyez pas beaucoup. Je suis désolée. Bon, on va essayer de courir un peu. Ouah, mais et c'est impressionnant, je suis tout seul. Regardez. Vous voulez avoir peur? Regardez. Voilà. Franchement, c'est vraiment un truc de ouf. Je parle moins fort parce qu'il y a une personne. Écoutez, c'est très bien ça.
dû prendre mon pilier, ça aurait été mieux. Après avoir dépassé la seule personne que j'ai vue, on continue. Oh, c'est vraiment. Putain. Même descendre, c'est physique, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a eu une guerre dedans. Donc, du coup, il a été rénové. Allez, bon, bah. On descend. Donc là, on va arriver. Oh, j'ai pas mon petit lieu, parce que là, si je tombe, je suis vraiment dans la merde. Donc là, voilà, on retrouve là où je vous ai mis tout à l'heure. Voilà où je vous ai mis. Ça pourrait faire un bon setup, ça. Vous en pensez, hein? Au niveau de la déco. Et là, regardez. Voilà, là, vous avez les fusils qu'il y avait pendant la guerre. Les Français avaient ces fusils. Donc, on continue. Donc, attends, on va aller à gauche. Peut-être que ça révèle quelque chose, je ne sais pas. On descend, je pense que ma mamie, elle attend en bas. Voilà, on arrive en bas. Bon, les amis, je vous retrouve juste après qu'on est dehors. Les amis, je vais me perdre ma main. Allez, je vous retrouve les camps dehors. Donc là, on est ressorti. Dans photo. Bah oui. 130 000 ossements. T'es sûr qu'on va pas tomber. Ah ouais, parce que là, si je tombe, je suis vraiment dans la merde. Enfin non, je tombe, je me casse juste la cheville, c'est tout. Le mec qui dit ça, il s'est cassé la cheville il y a pas longtemps. Moi. Oui, je suis cassé. Bah moi. Je me suis cassé la cheville. Ah oui. Vous savez, en tombant dans la marbre. Je vous remets pas la vidéo. Tu marches. Ouais, hein, je vais encore tomber. Bah oui. Hein. Allez, maintenant, on va aller faire quoi? On va manger? Bah oui. Alors, t'as dit 130 000 ossements? On a... Bah, ils t'entendent, hein. Ils t'entendent tous. Ah bon, ils m'entendent tous? Bon, bah alors, c'est bien. Coucou. 130 000 soldats, c'est vraiment un truc de fou. Je vous ai montré tout en haut comment c'était. Je vous ai tout montré. Et alors, j'ai compté, ça fait... 4 carrés, il y a des carrés et il y en a 4 rangées. Sur chaque rangée, je crois qu'il y en avait 3. 3, je m'en souviens plus du tout parce que j'ai plus la mémoire en tête, mais là, ouais. Et il y a ça jusqu'au bout de l'autre côté, là-bas. Donc on se retrouve où on va manger. Donc là, on va prendre la bête du Sandouk. Je rigole. Donc on va monter dedans. Vous allez venir avec moi. Présentation de la voiture. Ah. Tu vois, je voyais moi les ossements, ils étaient à la butte des fusillés. Donc on va aller manger à ça, village gaulois. Si vous pouvez me prendre sur côté, ce serait bien, hein, j'aurais des trucs gratuits. On va aller voir. Voilà. Voir comment c'est. Faut venir maintenant. Ouais, fini ta clope. Village gaulois, ça me dit quelque chose. Tu peux dire un coucou aux abonnés si tu veux. Coucou. Coucou. Et tu lâches mon produit. C'est l'air de casse-croûte. Ah ouais, oui, casse-croûte. En plein chaud du midi en semaine. 9 euros. Donc, on est allé au mémorial de Verdun. Donc, je vous montre. Voilà, c'était celui-là. Et après, bah voilà, vous avez tout. Vous avez tout la présentation du musée. Franchement, si vous voulez aller à Verdun, je vous le conseille. Tu conseilles, mamie, toi, dès qu'ils aillent tous à Verdun? Oh bah oui, il faut voir. Il faut voir Verdun, une en fait, fois il faut dans faut sa voir. Vie. Faut... Donc là, on va aller manger et après, on va aller en ville, là, au centre-ville de Verdun, pour aller voir la citadelle, c'est ça? Non, citadelle, c'est ici. Comment c'est? Non, la citadelle, oui, si, t'as raison. Mais si, j'allais dire, c'est bizarre. La citadelle. Mais. Donc regardez, ça semble à ça, normalement, où on va aller manger. Donc j'ai mis la destination sur le petit GPS. Comme dirait GMNK, le jeune GPS. Je vous laisse avec nous. Alors. Voulez-vous quitter le village? L'itinéraire est calculé. Veuillez bifurquer sur une route digitalisée. On dirait la voix de la dame qui dit une menace a été détectée sur votre ordinateur. Mais c'est là, regarde. Tu vois, c'est... Bras sur Meuse. Nous, on est... Le village gaulois, il est là. Champ de bataille de Verdun, on y était. Ouais, on y est. On y est, donc il faut qu'on fasse bip, bip, bip. C'est à côté de Charny-sur-Meuse, à côté de Charny-sur-Meuse.
Normalement, je t'ai mis la bonne destination. Village gaulois, hôtel restaurant. Je vous ferai peut-être un petit accéléré où je vous laisse tout. Ouais, je vais tout vous laisser. Vas-y. La caméra. Voilà. Laisse un peu le temps que j'ai fini ma corde. Ça fait rien, monsieur. On s'en fout. Ah non, faut que t'es froid. Oh là là. Non, non. Tu sais comment je suis habillé? Bah oui, mais bon, va te voir. T'inquiète. On vous laisse avec nous. Bon. Et on approche un peu. Voilà. Oh, la caméra, tiens. C'est super, non? Je vous mettrai des petites photos si j'en fais quelques-unes. Mais c'était impressionnant. Armand, ma caméra. Super. Bah, je vais vous tenir comme ça. Tiens, personne, on fait passer là. Pire, ce que je vais faire comme ça. Voilà. Donc, désolé si ça bouge. Tournez à droite. Donc, je tiens à gauche. À gauche. J'ai mis vers là-bas. Oui, à gauche, je dis. Oui. Oula. Tu connais plus ta droite ou ta gauche, m'a dit. Oui, c'est ça. Inquiétant. Je t'ai plus avec. Tournez à gauche à 150 mètres. Je vous laisse. Encore à gauche. Non. Bon, allez, je vous retrouve dès qu'on est arrivé. Là, il nous dit, faut aller. On est arrivé au village gaulois. On sort de la voiture. C'est vraiment paumé. Hein. C'est vraiment, il n'y a rien autour. C'est la Meuse. Mais par contre, ce qui est dans la Meuse, c'est que c'est pas cher du tout. Vous avez vu une grande maison, ça devait être 300 mètres carrés. Pas cher du tout. Franchement, alors là, elle était énorme. Il y avait 4 garages. Vraiment impressionnant. Regardez, c'est tout mignon. Donc, c'est un hôtel-restaurant. Vous pouvez loger. Par exemple, si vous pouvez faire Verdun en entier, bah vous venez ici. C'est bien aussi. Regardez comment c'est tout beau. Bah, je crois qu'on est que tous les deux. Hein, donc, on va bien voir. Ouais, et puis, on a un restaurant pour nous. C'est la classe. La tête de la mamie. Donc, on est arrivé. C'est vraiment tout petit. Regardez. Ça vient d'ouvrir. On est à côté de la cheminée. On est tout seul. Ouais, on est tout seul. Il n'y a personne, on est vraiment tranquille. Je vais vous poser là. Voilà. Est-ce que t'as vu quand même que les verres sont alignés? Regarde, je vous montre. Les verres sont alignés. Ah, c'est ça de sortir de la piscine et pas mettre de bonnet, hein, madame? Ah oui, hein, oui. Voilà. Alors, je vais le payer. Après, t'es malade. Ouais. Je vais vous mettre là. Bon. Donc là, on a fini de manger, on attend le dessert avec impatience. Donc voilà, on a fini de manger. Là, on est dans les toilettes. Voilà, vous pouvez voir, là, j'ai juste pris mon téléphone. Voilà, là, j'ai juste pris mon téléphone. Donc, je fais mes trucs. Et ensuite, on va voir le dernier truc de la journée, c'est-à-dire, on va à la citadelle à Verdun. Donc, je vous emmène avec nous, vous allez voir, on va rentrer dans les souterrains. On va rentrer dans les souterrains. Donc, je vous emmène avec moi. Ça sera la dernière partie du vlog. Voilà, je vous mets comme ça. Donc, j'espère que ça vous plaira tout simplement. En tout cas, je vous dis à tout de suite. Je coupe la caméra parce que sinon... Voilà quoi. Allez. À tout à l'heure. Voilà, on sort du manger alors, toi. On sort de le Gaulois, là, comment ça fait? Le village le Gaulois. Franchement, voilà. C'est très super bon. Je sais pas comment t'as trouvé, toi. Bah, moi, j'aime bien manger. C'est tout même de trop. C'était... Ouf. Ouais. Même le menu enfant, il est... Oh, ouais. Moi, vous me connaissez, j'aime bien manger. Je mange beaucoup. Mais là, franchement, ça m'a vraiment calé. En plus, il y avait des légumes, des tomates. Ouais. Franchement, que des bons trucs. Donc là, on va aller à la citadelle de Verdun. Mais après, on va faire un petit détour à Civry. Sur Meuse. Civry-sur-Meuse pour voir où ma mamie habitait avant. Donc on va aller voir ça. C'est parti. Ouh la vache. On est arrivé à la citadelle. Voilà. Et maintenant on va aller faire en train. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire la visite là. En fait, vous visitez la citadelle en train. Ah, j'ai cru qu'il y avait personne dans la voiture. Donc on va rentrer dans la citadelle. Je vais vous emmener avec nous. Par contre, je ne sais pas si je pourrais vous filmer. Au passage, des fois, je vous ferai des petites photos. On se reprend après.
Donc là, on arrive avec les canons. Les canons de l'entrée. Voilà, ceux-là, toujours fidèles. Donc là, on est rentré dans la citadelle. Je ne crois pas qu'on peut filmer, mais des fois, je vais essayer de vous filmer vite fait au meilleur moment. Donc là, on est isolé. On est, le train il est à 15h12. Donc là, vous pouvez avoir tout ce qui était... Enfin, ça, je vous avais déjà montré tout quand on était au four et tout. Mais là, je vous le remonte parce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas pu voir. Tout simplement, par exemple, les munitions ici présentes. Que des fois dans les musées on n'a pas le droit de rentrer dessus, mais voilà. Donc, désolé, j'essaierai de vous mettre quelques trucs, mais ça va être vraiment compliqué. Je vais faire vraiment un petit truc, mais désolé, j'ai pas pu, j'ai fait vraiment tout mon maximum. Attends, il y a quelqu'un. C'est bon, c'est des tours sup. Attendez, je vous reprends. Je vous reprends dès qu'on arrive, dès qu'on attend. Qui s'avait conduit de 20h à un embrasement mondial. Car le feu couvre dans une Europe instable. La course aux armements bat son plein, les rivalités entre nations apparaissent au grand jour. La Russie est en conflit avec l'Allemagne à propos des Balkans, l'Allemagne et l'Angleterre sur le sujet de l'économie. Une France qui ne s'est jamais résignée à la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Aussitôt après Sarajevo, l'Autriche lance donc un ultimatum à la Serbie. Mobilisation et déclaration de guerre se succèdent en cascade. Tout le monde, état-major et gouvernement, s'attend à une guerre éclair, elle durera 4 ans. 4 ans durant lesquels 5 continents seront impliqués. Par la tourmente, les Européens, bien sûr, Allemands, Anglais, Belges, Italiens, Russes, Tchèques, puis les Américains, mais aussi par le jeu des colonies des alliances, des Africains, Sénégalais et Marocains pour la plupart, des Indiens, des Australiens, des Turcs, des Néo-Zélandais, des Canadiens jusqu'aux Japonais qui s'emparent de position allemande en Extrême-Orient. En tout, près de 65 millions d'hommes seront mobilisés. L'essentiel des opérations se déroule sur le vieux continent en flammes. Dès le début des hostilités, la stratégie allemande vise à se débarrasser au plus vite des Français. Première offensive de grande envergure, premier échec après les batailles de la Marne et des Flandres. Tout au long des galeries, longues de 7 km, bureaux, dortoirs, services d'intendance, poudrières, une imprimerie même. Une chapelle, lieu de prière pour les soldats, est installée dans une galerie peu distante de celle-ci. L'énorme ventilation ne suffit pas toujours à renouveler l'air confiné. Nous sommes le 4 juillet 1916. Il est presque 7h du matin. Dans sa chambre cloisonnée de bois, le capitaine Roussel arrive au terme d'une nuit sans sommeil. Tu le sais, Jeannot, écrire, c'est pour nous tous ici une façon de rester vivant, de ne pas sombrer. Des rats. Tous les jours, en rampant dans la boue la poussière, nous sommes happés par cette hallucination. Nous sommes des rats. Les mêmes instincts, la survie coûte que coûte, la trouille collée au rein comme une sale sangsue. Je sais que tu comprends tout cela. Tu as suffisamment payé de toi-même. Pour faire une première ligne, personne ne pourra jamais le dire avec nous. Ces premiers jours de juillet sont encore plus durs que la boue et le froid de l'hiver. Et comment les hommes font-ils pour tenir? Ces odeurs de décomposition, de terre brûlée, gorgées de gaz. De 7h, on peut nous perdre sur le soulement. Je ne reconnais presque plus mon visage dans la glace accrochée au mur. Si je reviens ici, à quoi je ressemble? Mais je te parle de cauchemar alors qu'à penser à vous et à notre chère Bretagne, c'est la vie qui me monte à la gorge. Donne-moi de vos nouvelles, vous qui vivez encore sur la terre des hommes, des saisons, de la mer, des odeurs de Marek. Comment font la petite Catherine et notre vieille mère? Je devine qu'elle brûle la cierge tous les soirs pour moi dans la petite chapelle de Parané. Tu liras sans doute cette lettre le soir à la table. Dis-lui les mensonges qu'il faut. Ici, la vie n'est pas trop dure. Donc tout va bien. Et toi, mon jeune homme? Les bêtes te font-elles toujours autant souci? J'ai croisé le Dantec hier soir à l'infirmerie. Il m'a brièvement demandé de tes nouvelles. Je lui ai dit que j'avais perdu un œil, il a tourné. Et comme tu dois avoir du bonheur à sentir à nouveau sous tes pieds, le bruit d'une terre sereine, féconde. Aime-la, cette terre, aime-la pour moi.
On ne mérite pas ce que vous faites. Si. Pardon, capitaine, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne pense pas vous créer déjà de vue. D'ailleurs, c'est de la part du colonel du Ferroi. Il m'en va me rappeler la réunion au musée d'état-major à 7h. Merci, Barbara. Vous étiez de service de nuit? Oui, mon capitaine. Bien. Appelez le petit Jacques, qu'il s'occupe de ma lettre et vous. Début 1916, armée allemande décide d'une nouvelle attaque à l'ouest. Il faut faire sauter le verrou qui lui ouvrira les portes de la France. Le verrou, c'est Berlin. Bombardement de la ville fortifiée commence le 21 février 1916 à l'aube. 1 million d'obus tombent sur quelques dizaines de kilomètres carrés dans les premières heures de combat. Mais le réseau défensif de Verdun, bien que précaire dans les premiers jours, tient bon. Les assaillants sont bloqués dans leurs efforts. Pour ne céder aucun pouce de terrain, les hommes s'enterrent. Sol français est creusé d'une ligne continue de trancher du monde à mer du Nord à la frontière suisse. Intérieur et puis les grands choix stratégiques. Oh, je sais, vous savez tous. Écoutez, Paul, nous
nous connaissons tous les deux depuis très longtemps. Ça, c'est avant la guerre. Tout allait bien. Mais maintenant, ce n'est plus la même chose. C'est la guerre avec des cortèges d'horreur. Alors fourrez-vous dans le crâne que le sort de Verdun se joue avant tout dans les flaques d'eau et dans la boue. Là où des braves types qui n'avaient rien demandé à personne chialent et meurent avec les rats. Le gaz, la vermine. Et ces braves types viennent toujours. Parce qu'on leur a dit de tenir. C'est ça aussi, Verdun. Il faudra bien nous dire à qui de droit. Petit Ferrois, vous ne mettrez pas en cause. Une seconde de plus, le commandement. Dernier, rappelez-nous pour mémoire ce que vous et vos hommes enduraient depuis 6 mois, nuits et jours. Messieurs, vous me permettrez de ne pas entrer dans cette carrière. Pour mes brancardiers, c'est une question d'eux. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils manquent de tout, de pansements, de coton, de gants caoutchouc, d'alcool. Leur boulot, c'est de trier en un clin d'œil les blessés, sous les bombes. Celui qui a une chance de s'en sortir, de celui qui ne passera pas l'heure. Ils payent de leur vie pour cela. Alors, je vous en prie, un peu de dignité. Ce qui viendrait de New York, tu vois. Dis donc, toi,
Mais il va falloir te trouver une marraine de guerre, hein. Et pas n'importe quoi, une spéciale. Tu vois ce que je veux dire? Une vraie qui t'apprenne ce que c'est qu'être un homme. Bon, allez, tu ramènes la même chose à tonton Nicolas, puis t'enlèves tous les totos là que t'as dans la tunasse. Et moi, je t'arrange le coup. J'étais pas tourné pour ça, hein. J'aime tout ce qu'il y a à voir sous les jupes de Fleury. Alors, c'est autre chose. Bon, allez, la blanche, je vais sur le coup. Salut, Jaco. Le Fleury? Pourquoi il parle de Fleury? C'est de là-bas qu'il revient. Fleury, près de vous. On l'a retrouvé dessous une maison. Tout le monde était écrabouillé tout autour. Ah, ça fait une belle santé ici. Allez, vas-y Nicolas, passe-moi la farine. Oui. René, elle est fou, au nom de Dieu. Mais ça rêvasse la René. L'incident est clos, monsieur Roy. Monsieur Grandi, vous demandez d'escorter la délégation du conseil municipal de la ville de Verdun qui est restée dans la citadelle. Roussel vous accompagnera. Eh bien, Roussel, vous ne dites rien. Je n'ai rien à dire, mon général. C'est vrai qu'il faut tenir la place, puisque le sort de la nation en dépend. C'est vrai aussi que les hommes crèvent là-haut comme des bêtes. Vrai aussi que c'est l'été en Bretagne, en Poitou, sur les bords de la Loire, et que c'est l'enfer à Verdun. Pardonne-moi, je ne sais plus rien. La fatigue, sans doute. Mais je suis à vos ordres. Reprenez-vous, Roussel. Nous avons tous à parler de la même voix. Il en va de la crédibilité de l'armée. Allons, reprenons dans le détail de la visite de l'état-major. Je devais avoir 18 ans. Nous étions dans le champ de pommes de terre, juste à la pique de la mer. C'est là que je l'ai vu, mon premier avion. Il avait plu la veille. Ça nous faisait une terre grasse, luisante, rassurante, comme une mer qu'on ne voudrait jamais quitter. Précisément, j'allais partir. Moi, je ne voulais pas. Je voulais rester comme les autres, dans l'odeur des labours, des bêtes, du vent qui fouettait les toits. Là-bas, les goélands piquaient dans la pointe du groin, et je l'ai vu, un éclat de soleil sur le métal du fuselage. Mon premier avion, ça a été comme surnaturel. Je suis parti là-haut, je me suis mis à glisser par-dessus les bocages, les haies, l'horizon libre, les bras grands ouverts. Moi,
si il n'y a rien à l'eau, ben, il faut la rejeter. Là, j'ai pas qu'une saloperie de la part. Alors, quand on est vous, là, vous savez comment c'est vous? Je peux pas! Septembre 1916, 7 mois déjà, Verdun courbe le dos sous le feu, l'acier, la poussière, la boue. On ne songe pas encore à compter les morts, il faut d'abord tenir, quel qu'en soit le prix. Et Verdun tient toujours, forçant l'admiration non seulement du pays, mais du monde entier. Le 13 de ce mois, au plus fort des combats, en présence de Raymond Poincaré, président de la République, la ville reçoit les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Les pays alliés s'associent à cet hommage exceptionnel. La Russie décore la ville de la Croix de Saint-Georges. L'Angleterre de la Military Cross. L'Italie de la médaille d'or de la valeur militaire. La Belgique lui décerne la Croix de Léopold Ier. La Serbie, la médaille d'or de la bravoure militaire. Le Monténégro, la médaille d'or d'Obilić. Verdun devient ainsi la ville la plus décorée de France.
Et puis, comme enfin épuisé, les armes se taisent. Armistice est signé le 11 novembre 1918 par le tombe. Un instant de silence incrédule, le monde retient son souffle, et c'est l'explosion. Fin de la visite de Verdun, donc je sais pas si je vais réussir à éclaircir la vidéo parce que on était vraiment dans le noir et on n'avait pas le droit au flash, donc du coup j'ai pas mis le flash. Donc vous avez 25 minutes. Et pour ceux qui demanderaient que j'ai filmé le parterre, tout simplement, c'est qu'en fait on se croyait, on était comme dans un avion. Si vous avez bien écouté la vidéo, on était comme dans un avion, et puis voilà. Donc du coup, je vous ai fait explorer toute la citadelle. Donc du coup, vous avez plus le droit de payer, vous avez plus besoin d'aller. Non, faut vraiment le faire dans la vraie vie, faut vraiment que vous y allez par vous-même. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous reprendre juste après. Là, on est en train de sortir. J'attends ma mamie, on va voir ses petits commentaires. Regardez, c'est vraiment haut. Ils essaient de dire qu'ils étaient tout en haut là-bas. Tout un peu ma fête. Pour ceux qui me demandaient quels sont les tarifs pour tout simplement pour faire un tour de train dans la citadelle, vous les avez les prix là. Donc voilà, je vous montre. Voilà. Vous avez tout. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette visite, madame ? Oh, c'était super. Mais il faut le faire dans sa vraie vie, c'est pas pareil qu'en vidéo. Ah bah oui, 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 bah oui. Mais bon, franchement, c'était super. Et puis, ce qui m'a plu le plus, c'est encore la fin. Pour le soldat inconnu. Voilà. Comment a été choisi le soldat inconnu avec la Marseillaise, les cercueils. C'est touchant. Très,
Très bien. Donc, on va rentrer à Metz. Voilà. C'est fini et je vous reprends une fois qu'on est dans la voiture et à Metz. Là. Allez, on rentre dans la caisse. Oh, oh c'est le bordel. Oh. Faut pas que tu oublies de me donner mon petit joujou. Attendez, je me mets là. Ça tienne. Voilà, parfait. Je peux avoir mon petit joujou que je leur montre? Attends, il est dans mon sac. Ouais. Je vous montre mon petit cadeau qui est classe, qui va aller sur le 7 heures. Regardez. Oh, ma voiture dans l'état qu'elle est, mon Dieu, qu'elle est. Attends. Là, oui, oh, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Avec pas la mamie, avant, c'est ouais. La semaine prochaine. Ouais. Alors, c'est un taille crayon, donc il y en avait plusieurs, donc j'ai pris celui-là, merci beaucoup au passage. Attends, moi j'ai, oui parce que j'ai dormi avant de venir à Verdun, je sais, merci. En même temps, c'était tellement bon que je vous mettrai l'adresse email du village gaulois, c'était oui. Ça, village ah, gaulois, il n'y avait personne, hein. On était tranquille, mais c'était vraiment super bon. Il est classe, hein, regarde, c'est du métal. Ouais. Ah oui, oui. Donc c'est un canon, donc il y en avait des chars, il y avait des autres canons, tout ça, il y avait des avions. Mais moi j'ai voulu prendre celui-là parce que regardez comme il est beau. Il est, et c'est tout en métal. Tout est en métal, à part les roues seulement, c'est du plastique pour pas rayer quand même votre bureau. Donc moi je le mettrais entre le PC et la console, ça fera stylé. Franchement il est classe. Ouais il est beau ouais. Et là en dessous en fait vous avez un taille crayon. Voilà, donc on retourne à Metz. Bon, on dit merci. On dit merci, la mamie. Merci, mamie, en tout cas. Merci, Quentin. Merci pour la visite. Et on se retrouve à Metz. Et on se retrouve à Metz. Bon, on vous prend vite fait. Et on a fait une petite intercation dans le centre-ville de Verdun. De Verdun. Donc, on s'est acheté des petites dragées. Et bon dragées de Verdun. Et ma mamie, que j'aime, a acheté. Le livre de Stephen King, donc de ça. Voilà. Donc vous. Voilà. 8,90€, franchement. Avec toutes les pages qu'il y a dedans, ça va m'occuper. Donc là, on retourne à Metz. T'as fait qu'il y a le parce qu'il va tomber. Mais non, t'inquiète pas. Il tombe pas. Pas. Non. Ah bon. Si je lui dis pas tomber, il tombera pas. Si tu lui dis pas tomber, il tombe pas. Voilà. Ah bon. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On dit merci à la mamie de nous avoir emmenés parce que c'est grâce à elle qu'on voilà. A été. Et si ça leur plaît pas, bah, tant pis pour eux. Hein. Il y a mon oreille qui siffle. Et voilà. Et puis là, elle est morte. Bon allez les amis, je vous laisse. Ciao. Au revoir tout le monde. Bon, ciao. Salut.